voulais, pour commencer le départ du début, du commencement des prémices, du tout début, spécifier que ce tapis que vous avez devant vos petits yeux boudinés a été fait par Gabi, la femme à Mage. Elle m'a offert ça il y a une quinzaine d'années. Il a jamais été filmé, ce tapis, il n'a jamais servi, donc c'est la première fois qu'il va servir. Et j'ai une pensée émue en pensant à Gabi, puis à Mage, bien sûr. Et voilà, c'est une longue histoire que les magiciens de Poitiers les plus anciens connaissent. Et je tenais donc à y associer ce soir Gabi et Mage à travers ça. J'en fais un gros bisou là-haut. Et moi, je voulais vous parler aussi de choses plus sérieuses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous le savez, on a des gros problèmes. La sécheresse. La sécheresse qui sévit partout. Et la sécheresse, dans sa grande sécheresse, justement, a non seulement asséché les nappes phréatiques, mais en plus, les nappes pétrolifères. On n'a plus de pétrole. Une des plus grandes sociétés, Elf, que vous connaissez, d'ailleurs, qui contribue considérablement aux courses de Formule 1, va arrêter dès la saison prochaine toutes ses participations aux courses de Formule 1. Et vu le sponsoring qu'ils apportent dans ce genre de manifestation, on est certain que dans les 3 ans qui viennent, il n'y aura plus de courses de Formule 1. C'est triste pour les amoureux des moteurs et des roum-roum, mais c'est vrai, ça va disparaître complètement, je sais, c'est affreux. Tout ça parce que la sécheresse a, en fait, asséché également les nappes pétrolifères. Pour régler ce problème des nappes pétrolifères, on avait plus que 51 personnes, puisque la 52e, hélas, est aujourd'hui incarcérée, mais il nous en reste 51. Et dans ces 51 personnes qui sont représentées là, dans ce jeu, elles ont tout un nom, bien entendu. Et j'ai invité mon ami Franz, donc, qui, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais qui vont le savoir très prochainement, donc édite des livres et qui va prochainement d'ailleurs parler de ce problème elf, qui est quand même un problème important, qui touche la planète entière. Et parmi les 52 personnes qui sont là, normalement, c'est vous, cher public, qui choisissez les personnes qui sont concernées ce soir. Et bien ce soir, c'est moi qui vais les choisir, exprès pour vous embêter. Alors la première, je vais prendre celle-ci. Voilà, une des personnes capables sur cette planète de pouvoir régler le problème. Une deuxième personne capable de régler le problème. Une troisième personne qui pourrait le régler elle aussi. Et puis une quatrième personne. Je vais te demander, Franz, de te concentrer sur ces quatre personnes. De ne rien mémoriser, mais juste de te concentrer sur ces quatre personnes. Et d'imaginer que parmi elles, il y en aurait une. Une qui serait capable de résoudre le problème. Le 8 de trèfle, le 10 de cœur, le 4 de cœur, la dame de trèfle. Parmi ces quatre personnes, une d'elles pour régler le problème. Et j'aimerais également que, pour régler tout ça, tu sortes les cartes de ce petit sachet. Alors attends, je vais mettre les quatre personnes ici d'ailleurs. Voilà. Et je te remercie, Franz. Et regardez, c'est triste. Il fait tellement chaud qu'on est pratiquement comme en été. Elf, drame d'été. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est parmi ces quatre personnes, mon cher Franz, je vais te demander, je les mets n'importe comment, tu vas poser ta main sur celle que tu veux. Et je vais te poser deux fois la question. Veux-tu poser ta main sur une autre d'entre elles? Non. Je te pose pour la dernière fois la question. Es-tu sûr de bien vouloir garder la personne que tu viens de choisir? Oui. Alors, je vais en fait enlever les trois autres. Et puis, mon cher Franz, on va se concentrer simplement sur quelque chose, sur ce qui est écrit ici, Elf, drame d'été. Je ne sais pas si pour vous ça correspond à quelque chose de particulier, mais on va remonter le temps, mesdames, messieurs. On vient d'arriver au 17 avril 1955. Albert Einstein va mourir demain. Avant de mourir, il a écrit cette lettre. J'ai ici une copie de la lettre, hein, parce que cette lettre
a été conservée au musée de Berlin. J'ai ici une copie de la lettre, d'ailleurs vous allez voir, c'est une copie conforme. Franck va pouvoir témoigner. Oui, on voit bien que c'est... Ich, Einstein, sage das, um diese Probleme eine Lösung zu finden. Albert dit, moi, Albert Einstein, dit que pour soulager ce problème, pour réduire ce problème, muss ein großer Zauberer die richtige Karte zu finden. Un grand magicien, on parle de toi, Franz, doit vraiment choisir une carte. C'est ce qui vient d'être fait. Ensuite, il dit, et il mesure ses mots, n'ayons pas peur de dire, « Die Lösung wird in den Buchstaben sein. » La solution est dans la lettre. Fait, gemacht haben, le 17 avril 1955. C'est incroyable, cette copie qu'il a écrite la veille de sa mort. Et il a mis un post-scriptum. « Eine Dame mit einem Kreuz. » Une dame avec une croix peut résoudre le problème. Alors, ce qui est absolument incroyable, mesdames, messieurs, c'est que dans ces quatre personnes qui représentaient les personnes au monde le plus à même de réduire ce problème, nous avions des lettres et on s'est aperçu que Albert disait vrai. En tournant les cartes, on avait la solution du problème. Mais son post-scriptum n'était pas rien. Eine Dame mit einem Kreuz. Et Kreuz en allemand, ça veut dire également trèfle. Une dame avec une croix, une dame de trèfle. Franz. Mesdames, messieurs, on doit Albert Einstein la relativité, le Bing Bang, mais également l'histoire de la dame de trèfle. Thank you.